Bonjour à tous et à toutes, je suis Relu, c'est la suite de Neverwinter Nights. Ça y est, c'est enfin le chapitre 3! Enfin! Ah, je suis complètement hypé. Ah, j'ai envie de savoir la suite, je veux connaître la suite. Je le sens super bien. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, un petit résumé rapide. Lors du chapitre 2 et du précédent chapitre, à savoir que, en gros, pas d'hiver à recruter des héros, il y a une épidémie, on a récupéré le quatrième membre de l'épidémie, quelqu'un a été mort, et ce quelqu'un s'est bien nué d'Aribes, le chapitre 1. Le chapitre 2, enquête sur les alentours de pas d'hiver, sur le bois de Bois-Souris, je sais plus si, je crois qu'il y avait le scan, surtout le scan, où on essaie de comprendre un petit peu ce qui s'y passe dans cette ville, avec les commandants qui se font la guerre entre eux et qui se partagent la ville et qui veulent savoir qui est la plus grosse. Et en même temps, aller à la tour des mages pour savoir ce qu'ils s'y trament. Et c'était cette tour des mages que nous sommes restés sur un cliffhanger dans lequel Aribes, aveuglé par la vengeance et la mort de son bien-aimé Fentick ou Fendrick, je ne sais plus, a décidé de rejoindre le mage Maugrim, qui était derrière tout cela, qui tente toujours même de nous mettre les bâtons dans les roues afin de conquérir, j'ai envie de dire, le monde. Mais pour cela, il a besoin d'artefacts appelés les mots de pouvoir. Et je viens de me rendre compte, en regardant ce que j'ai fait la dernière fois, que il y a quand même une petite inspiration niveau Skyrim avec les mots de pouvoir. Voilà. Donc, est-ce que Skyrim a été inspiré par ce jeu? Je ne sais pas. Et donc du coup, nous avons je sais plus, l'assistant d'Aribes, dont j'ai oublié le nom, qui sera désormais notre chef, je pense, de notre commanditaire principal. Allez, on y va, je suis hypé, j'espère que vous aussi. La pense bleue, on aime ça. Oui, alors évidemment, je dois réengager une... Salutations. Ah, je suis C'est bon de heureux de vous vous revoir. revoir. Ah, je suis heureux. Suite à la trahison d'Aribes, j'ai pensé repartir à Menor afin d'accomplir la quête qui me permettait de faire épreuve aux yeux de ma tribu. Mais alors même que nous séparons, j'ai eu la conviction que nous nous reverrons. Puis j'ai appris qu'Arang Aringent appelait tous ceux qui voulaient servir Palyver. J'ai vu un signe des dieux. Après tout ce que vous avez fait pour Palyver, je vous ai trouvé. Est-ce que tu sais quelque chose sur les mots de pouvoir? J'ignore tous ces mots, mais certains événements récents concernant la tribu des Élans méritent que l'on s'y intéresse. Eh ben, on va y aller, écoute. Pourquoi d'ailleurs? C'est-à-dire aux forces de Scan, c'est vrai, ça paraît, ils ont attaqué fort Ilkar et les fermes des colons du sud. Oh mon Dieu, je suis la tribu du Tigre Rouge, mais tous les Ilkar partagent certaines valeurs et croyances, nous sommes des guerriers. Reviens avec moi, Dalin. Oh oui. Dalin, tu es tellement cool, et puis il y a les autres. Oh, tu es qui, toi? Salutations, c'est vous, n'est-ce pas? Oh, je t'ai fait que mon devoir. Ok. Alors, vous travaillez pour Angel? Oh mon Dieu! J'espère changer ça. Oh mon Dieu, je ne sais. Ah, ça ne m'intéresse pas. Ah, va donc chercher toi-même des indices. Je vais juste remettre ma carte. Et voilà ma map. Alors, ok. Elle parle à Lillian Cambridge. D'accord, je ne sais pas qui est Lillian Cambridge. Et ça, c'est notre quête principale. Alors, dès qu'il ouvre ce mot, il faut. Alors, Arangent, donc c'est ce personnage-là. Au puits de Béoruma pour qu'ils soient ensuite mis à l'abri au château de Palyver, effectivement. Alors, je dois trouver Lillian Cambridge. Here we go, j'ai envie de vous dire. Here we go, here we go. Alors, par contre, ça rame un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas où je suis. Cabane, auberge, enclave, temple de tir. Enclave comporte de négoce vers le bois frileux, bon bah avec deux endroits, et vers le bois lune, bosquet druidique, campement. Ah! Campement, et ben on va y aller.
Mais d'abord, il y a des caisses. Oh, j'aime beaucoup Homme du peuple. Oh, oh oui. Oh là là. Oh oh. Oh oh. Qui es-tu, toi? Putain, je me fais agresser, ça y est. Mais calmez-vous. Vous dérange la corruption. Oh la vache. Hey, tu m'agresses pas. C'est pas qui je suis, moi. Ouais, quoi? Mais calmez-vous. Bienvenue, mon ami. Salut. Je suis Yuzam, druide du Nord. Intermédiaire entre l'alliance seigneuriale et les Utgard. Oui, vous êtes Alors. Comment ça? Tu m'ouvres la porte? Non. Non, je m'en vais, d'accord. Ok. Alors, la première quête du jeu. Alors, cherche quelqu'un qui soit d'enquêter. D'accord, il doit penser qu'il doit avoir raison. À l'ouest de la forêt. D'accord. Je vais quand même un peu explorer la zone et ça rame. Bon, je rame pour des raisons inconnues. Peut-être parce que je l'ai laissé allumer depuis un bon gros moment. Salutations. Salut. Salut, comment ça va? Tu veux que je te montre comment tirer à l'arc? Et donc ça c'est le je sais pas quoi. Et là il y a des cerfs, c'est mignon les cerfs. Moi, Andar Vivrecoeur, de la tribu du Lion Noir, vous salue. En tant que chef de cette tribu, je vous offre notre hospitalité, malgré les tensions qui règnent actuellement entre les Utgard et l'Alliance Seigneuriale. Ouais, moi aussi je suis content de te voir. Merde, je sais pas qui je dois voir. Lui? Ouais, quoi? Salut! Un procès? Quel procès? Attends, qui? Ouais, quoi? Attends, un procès? Neyeur du temple de... Ah, mais ça va trop Quoi? vite! Neuric, ok. Eh ben, ça tombe bien! Ouais, Non, quoi? mais je veux pas te parler, je veux parler à elle. Qu'elle veut. Ok. Attention, la téléportation au temple de tir. Incroyable. Incroyable ce qu'il se passe ici. Maintenant, faut trouver une Eurique. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un bassin. Eh ben, je suis bien accueilli. Eh ben, c'est... Ah, bel accueil. Non, mais... Alors...
Pour l'accueil, je mettrai 2. Salut à vous. Salut. Oui, je sais, on me l'a dit. J'accepte. Journal intime de l'avocat. D'accord. Alors. Un mercenaire prévu, une rôdeuse d'une... Ok. N'hésitez pas à leur parler avant le procès. Cela se ferait couramment. Vous trouverez la rôdeuse Fallow comme on une gare. Les autres logent dans les bâtiments qui accueillent les membres de l'Alliance des Seigneurs. Et c'est moi. Hein. D'accord. Allons-y. Je vais te vendre des trucs. Je vais te vendre des trucs. Écoute, est-ce que... Ouais, pourquoi j'ai cette grande hache à la fin? Moi, je ne comprends plus. Je ne sais pas. Bon, est-ce que t'as un objet cool? Est-ce que t'as des objets un peu stylés? Non, pas trop d'objets stylés. Écoute, bah tant pis. Bon, alors commençons l'affaire Phoenix Wright. C'est super important. Alors, quand on serait prêt à aller parler à Norik au temple de Tyr, on a besoin de quelqu'un pour les fondre. Là, un état accusé de meurtre, les détails de l'affaire sont inscrits dans un carnet. Allons voir ce carnet. Carnet qui se trouve normalement ici. Ici. Allez. Non. Je m'en intime. Folle de recherche, ici. Alors, ce livre de notes identifie son porteur comme représentant officiel de la justice de Tyr dans le procès de Rolgan et explique les règles de la cour, dont le droit pour la défense d'interroger tous les principaux impliqués avant les lunes. Pour vous aider dans votre tâche, je dois ajouter les notes sur le témoin juré, l'endroit où vous pourrez trouver pour poser des questions. Témoin. Alors, Rolgan est accusé actuellement sur la protection de l'auteur de Tyr. Ok. Deuil de soldats de l'Alliance Seigneur passe pour tout son temps dans la caserne des soldats. Le dar soldat de l'Alliance Seigneurial, généralement en train de boire à taverne quand il n'est pas de service. Vanda, épouse de l'accusé, passe son temps au plateau près de puits de Burma. Juré, les jurés ont été sélectionnés pour assurer une défense d'orientation. Alors, mon assistant, un homme de bon, la plupart du temps, il m'aide au temple. Soldat de l'Alliance, quand il ne boit à taverne. Soldat de l'Alliance, jeune fille, passe tout son temps libre à la caserne. Une rôdeuse qui est près avec les gardes sur le plateau. Pas une femme médecine des gars, elle vit sur le plateau, ok. Eh ben, on va commencer par parler avec lui. C'est lui. C'est lui, c'est Zorgol. Je sais pas si c'est lui. Bonjour. Bah non. Non, c'est pas toi. Ce n'est pas toi, c'est donc toi. Quel bonheur. C'est le procès. Alors, qu'avancez-vous de ces affaires? Je désapprouve le fait que cette garde vénère un dieu païen. Je n'en ai aucun préjugé, le vrai coupable de ce crime est le démon de l'alcool. Mais l'alcool, excusez-moi, comment on lui dit. Certainement, ok, mais ne pas croire que... Eh bien, si tu veux... Ah, mais il y a des pièces. Ah, mais d'accord. Ah, bah tiens. Bonjour. C'est Norik qui vous envoie. Vous êtes ici pour le procès? Oui. Il faut éviter un jeu de hasard de vouloir repousser ce sujet amical. J'ai accepté, mais merci. Ainsi que toutes les boissons qu'il m'a offertes. Évidemment, Justin, ça serait drôle, mon esprit a été embrouillé, pas seulement par laquelle j'ai joué stupidement et perdu plusieurs objets. Je suis retourné chez les miens, mort de honte, vendant ma femme, m'a dit de retourner par la griffe. Et s'il me fallait de supplier de rendre nos objets sacrés en plus de temps. Mais il m'a attaqué avant même que je ne puisse ouvrir la bouche, j'ai dû le tuer pour me défendre. Je n'avais pas le choix, je me suis enfui jusqu'à ce temps, en cherchant de justesse un groupe de soldats. Est-ce que tu veux. Nous ne sommes pas comme vous, nous autres, les gars, en coutume. Ok. Bon, je pense que, là, effectivement, je n'ai que toi. Je n'ai que toi pour m'aider dans cette affaire. Bon. D'après lui, c'est l'alcool, et d'après lui, et d'après l'autre gars, c'est l'autre qui l'a attaqué. On va faire cette petite affaire Phoenix Wright, quelle foi fort. Putain, il fait déjà nuit, sérieusement. Incroyable. Incroyable cette ville où tout le monde se fout. Alors, je vais le mettre en. Je peux pas utiliser. Mais c'est chiant, hein, sinon. Alors.
Alors, Rolden, c'est fait. Soldat. Et alors, caserne à soldat et la taverne principalement. Donc, le plus proche, c'est. Merge enclave. Le comptoir. Ah non, il y a trois endroits, d'accord. L'enclave mercenaire, donc ça doit être la caserne. En espérant que je ne me trompe pas. Ce serait un peu bête. Ça c'est quoi? Ça c'est l'auberge. Ouais, auberge, taverne. C'est la même chose. Établissement de boisson, bah tiens. Alors. Ah bah tiens, Lillian Cambridge, juste avant de jouer de parler. Il était temps que vous arriviez. J'attends depuis au moins 10 minutes que quelqu'un vienne remplir mon verre. Ouais, bien sûr. Alors. Alors, là, c'est pour ça. En plus, je crois qu'il est mode PVP. Allez. Oui, oui. En plus, j'ai trouvé. Je n'ai pas de peur avec une boule à neige. En plus, je trouvais la boule à neige. Alors, nommé Nax. Mais comment as-tu ce parchemin? Alors, on dirait que c'est de boule. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Oh bah écoute, hein. Bon. La quête de la boule à neige. Oh oui, alors, toi. Bienvenue. Alors, c'est normal qu'il y a eu, hein. Comment c'est où cette affaire? Ah d'accord. Ok, donc lui. Oh, un individu louche. Bien le bonjour. Et si c'était le cas? Qu'est-ce que tu as proposé? La boule? C'est de la drogue? Je lui en manque depuis 2 jours. Ouh là là! Elle a des pièges, mon gars! Elle est équipée! Bah, par contre, elle a de l'arme un peu nulle. Elle a... C'est un peu nul comme arme, hein, je t'ai dit. Mais oh là là! Le tavernier! Là. Oh! Ah non, j'ai cru que c'était la caisse. Alors, soldat, combattante, et l'odeur. L'odeur, je sais plus si je t'ai parlé, toi. Non, je t'ai pas parlé. Enchanté. Alors, c'est marrant, on ne s'oublie pas qu'il y avait ça, non, pas si je... racontez-moi ce qui s'est passé. Sur le quartier du jouet de l'argent, il a fait gagner beaucoup, il a même tant gagné que le quart du nez, une partie de ses bijoux pour voir ça allait. Ok, ça se tient. Quand il a fait sortir, je l'ai entendu crier, je me suis précipité dehors pour pouvoir le battre à l'épée avec cette vulgaire. Je crois que Ulgar est meilleur que Griff, je n'arrive pas à croire que je doive témoigner, je n'ai encore jamais. Alors, autre chose. Ils sont en train de se battre. Ah, on va au registre. Vous êtes vraiment objectif, vous. Bonne chance pour le procès, merci pour le verre. J'ai perdu une pièce d'or. On m'a retiré ça jusqu'à la fin du procès, alors je comprends. Eh bah écoute. Enchanté. Tavernier, apportez un autre verre. Ah, tiens, il cherche toujours les ennuis et insulte les gens pour qu'ils se battent contre lui. Et il était raciste, déjà. Quand tu n'arrêtes pas de dire que les cartes étaient des ivrognes, des voleurs. Peut-être, mais je suis pas le genre à dire du mal de Griff. Peut-être qu'il y avait des secrets à avoir, des secrets. Des secrets. C'était mon ami. Ah non, ça c'était le HUD, la sauvegarde, voilà. Allez. Ici il y a quelque chose. Ah, oh, Griff est mort, alors c'était pas si terrible qu'il avait l'habitude de droguer. Oh, il paraît tout le principe que ça allait l'avoir. Oh. Enchanté. Allez, tavernier, un autre verre. Ah. Secret. Oh, succès. Ah. Et donc là, Griff serait donc coupable. Ouais, calme-toi. Intéressant. Donc là, avec ce que j'ai, Griff a drogué
La boisson du Utgard. C'est Utgard ou Utgard, je sais plus, je crois que c'est Utgard. Et cet homme est en train de dormir comme un gros. Comme. Oh! Putain, c'est une avenue avant, oh, c'est con. Donc, là pour le moment, le globe de neige. Oui, la globe de neige, on s'en fout. Donc là, c'est bon. Ensuite, il faut que j'aille à l'enclave des mercenaires. Ensuite, au truc de Beoruma. Putain, je ne sais pas le nom. Enclave mercenaire. Normalement, c'est juste à côté. Normalement, c'est ici. Et je dois parler à deux ou trois gardes, je ne sais plus. Donc, ah bah tiens. Je ne vous reconnais pas. Ouais. Qu'est-ce que... Oh, même toi, tu vends des trucs, mais il y a de tout ici. Allez, t'as pas des trucs cool. Oh, t'as rien. Attends, tu fais chier. D'accord, et là, il y a... Messieurs, bonjour. Inspection. Bienvenue. Combattant. Yavon. Enchanté. Yavon. Voilà, c'est parce que je me dis, quand j'ai fait partir le jeu, j'ai dit, c'était alors. Que pensez-vous de ce procès? J'ai l'impression que c'est une méga taverne qui a déchiré quelques verres de trop, on se met à faire n'importe quoi. D'accord, donc lui il est neutre. Mais si vous savez qui ont foutu cette affaire, ces gens ne gardent pas de répéter que si ce type est accusé, c'est uniquement parce qu'il est une gare. Oh, il n'est pas raciste, il est. Il est bien. Et tiens, moyen. Vous me parlez d'un pot de vin, je ne sais pas. Non. Ah, je vous mettais à l'épreuve. Ah là là. Ouf. Donc toi, tu es neutre, on va dire. Et toi, tu es blessé. C'est moi qui assure la défense. Ah, d'accord. Bon, alors toi déjà. Pourquoi il se battait? Une dette de jeu, il fait gagner beaucoup d'argent. Ça se tient. Tu n'as pas le... Tu peux m'en dire plus? Ah, je sais ce que lui, Griff est mort. C'est cette carte. Je le sais comme si... Comme j'ai... Qu'as-tu à ta jambe? Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Je vais savoir ce qui est arrivé à ta jambe. Mais, tu sais quoi? Je vais te provoquer. Tu n'as pas l'air très imparfait. Si je découvre que tu m'as caché quelque chose, tu auras mal. Ailleurs, couche-nous. Non, je veux savoir ce qui est arrivé à ta jambe. Enfin, je vais te proposer. Tu me caches des choses. D'accord. Je ne... Ok, bon. Donc toi, c'est super cool. Donc là déjà, petit topo, il y a des gens, ils en ont tellement rien à foutre de l'accusé. Ils le disent, le gars, basiquement c'est l'Amérique des années, alors c'est des années 50 ou 40, c'est, il n'est pas américain, il est coupable. Enfin, je vais pas dire il est noir, il est coupable parce que c'est un peu raciste, mais ça y ressemble. C'est même carrément ça. Cependant, et c'est ça qui est étrange, l'accusé mort, parce qu'il est mort aussi, donc l'accusé décédé, aurait drogué les verres de Zorlan, je ne sais plus comment il s'appelait, je ne sais déjà plus comment il s'appelle, aurait drogué le verre de son cher ami de Beuvry, hein. Pour gagner. Pour avoir accepté de défendre Rangan. Moi, Ordar Vivrecoeur de la tribu du Lion Noir, rend hommage à votre honneur. Non, merde. Non, je vais y aller. T'inquiète pas, bro, je pense savoir ce qui s'est passé. Oui, quoi? Je vais représenter votre mari. Hop, dites-moi ce qui s'est passé, mon mari entre stars, il avait bu, mais comme je lui semblais être différent, comme s'il n'y avait pas avec Pac. Il avait perturbé ta chagrin, des pierres précieuses sanctifiées par un prêtre du Garde. J'ai su qu'il s'était passé quelque chose, on n'en est pas certain. Poursuivez, je vous prie, je vais lui envoyer dans la somme de rendre l'argent, on devait le rendre plus tard en échange, bien plus que Griff ne pouvait l'espérer gagner en ramenant les objets, mais celui-ci ont une importance qui dépasse, oui, donc va leur sortir au tal. Griff a attaqué mon mari, celui-ci n'a eu d'autres recours. Y a-t-il autre chose? Oui. Très bien. Pas là. Salutations. Que pensez-vous de cette affaire? Je suis très déçu que notre chef est en permanence contre le cliché. Sérieux. On dirait que vous le connaissez déjà comme coupable.
Vous représentez ici le peuple, l'honneur que moi je verrai avec le serment. Je vais pas poser des questions, c'est Nora qui m'envoie. Que pensez-vous de cette affaire? D'accord, très bien. Et toi, tu ne sers rien. Très bien. Eh bien, pour moi, c'est un acte d'autodéfense dû non pas à l'alcool, mais à la drogue. Et ce qui s'est passé, ils ont fait une partie en buvant, sauf que il n'y avait pas que de l'alcool dans ce verre, il y avait sans doute une quelconque potion. Potion qui aurait eu de l'effet sur sur cette personne qui est l'autre. Là, je ne sais pas le nom. Je ne sais pas le nom, je ne retiens pas. Sur Rolgan, voilà. Et il serait. C'est lui qui vous envoie. Oui. Bref, Neurik, je suis prêt pour le procès. Salut à vous. Non, c'est parti. Allez. Je vais partir avant le temps. Wow. Je me nomme Igland de la Vive Lame. Je suis le procureur chargé de l'enquête sur la mort de Griff, mercenaire de l'Alliance seigneuriale. Et je voudrais rappeler au jury que je n'ai jamais perdu une affaire. Jamais. Qui c'est qui te double? Qui c'est qui te double? Je suis là, votre honneur, ok. Je ne suis pas juge de guerre, mais le procureur, vous l'avez donc pas. Monsieur. Oh, eh bien, monsieur, il faisait nuit, Griff était sorti de la caserne d'un seul coup, nous avons entendu un cri, nous avons vu se battre. Lui, c'est une garde, vous l'avez tiré leur arme. Avant que nous puissions intervenir, ce sauvage avait frappé Griff au ventre et s'est enfui. Nous avons couru, cherche le bras, mais c'est trop tard, Griff était déjà mort, c'est lui qui l'a tué. Les mains d'autres questions, selon moi, nous devrions mettre un terme au procès. Les gars, ah oh. Il avait l'air très aminé, au point de ne pas savoir ce qu'il se faisait, peut-être, je ne sais pas. C'est exact, Griff a glissé une drogue dans la poisson de Rolkin plus tôt dans la soirée. Oui, voilà. Autrement dit, Griff est en partie responsable de sa propre mort. Que voulez-vous me dire ce que Griff pensait de Udgar? Il ne sait pas, c'est une sale Udgar. Il est donc possible que celui qui ait porté le premier coup. Pas la première fois que son tempérament aurait des ennuis, c'était un excité surtout par rapport au gars, il les détestait. Avez-vous vu qui était à l'origine du combat? Autrement dit, il est possible que Griff ait attaqué Roland et que ce dernier n'ait fait que se défendre. Oui, j'imagine. Putain, mais il y a déjà un mec qui a une torse. C'est bon. Putain, par contre, pas d'autres questions. C'est vrai que la défense est finie de masquer la vérité, j'appelle Zed. Mon prochain témoin, Zed dit à la course que vous avez vu. Ah, ça donne. Griff est en dehors, si on l'a entendu crier, quand il est sorti, on a vu une garde, il est venu planter son épée dans son ventre, serais-je parti de mon... Vous n'avez pas assisté au début de combat, n'est-ce pas? Griff est... N'est-ce pas que plaider? Ne croyez-vous pas que Rogan avait bu je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis là, posez votre question. Je sens en vous une certaine hostilité à mon égard, madame. Un gland. Oh là là. Ok, tu es sénat, mais si on le dit, nous avons l'honneur et une grande importance. Très bien. La défense peut poser ces questions. Ne me poussez pas à bout du gland. Vous l'appelez du gland. Dites-moi pourquoi vous avez... Alors... Parlez-moi de l'importance de cet héritage sacré.
Pensez-vous que Marie soit accusée simplement parce qu'il y a une garde? Ah ah! Ma jeune dame, voulez-vous vous souvenir que votre mari était jugé? Oh, c'est bon. Dites-moi pourquoi vous avez envoyé votre mari. Je n'ai pas d'autres questions. Wouh! J'ai au moins. Trois torches. Incroyable. Je souhaiterais interroger Rolgan. Merde, il est où? Pardon. Rolgan. Rolgan, tu es où exactement? Rolgan. Merci. Dans quel état d'esprit étiez-vous ce soir-là? Alors attention, faut faire doucement. Pour ce qui s'est passé cette nuit-là, ma femme est convaincue. Hein. Pensez-vous que le fait que vous soyez une garde et le seul doit payer les soldats? Ok. Hein. Je n'ai pas d'autres questions. Comme la défense a plusieurs accusés, je suis procédé à un contre-interrogatoire, mais je reste qu'il soit bref. Je suis un garé de garde, attribuant je gagne le respect de tous les miens, vous avez fait champ de bataille, j'ai honte de mes actes, j'ai honte de mes actes, mais c'est le feu. N'a pas tort, je. Une autre importance. La défense essaye de nous entraîner en direction. Non! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi là? Non, putain, ça va faire chier. Ah! Ok, j'ai deux épées, deux torches. Ouah, ça drôle, ça va être compliqué. Attendez, objection! Sam Kogriff est un homme violent qui déteste lui. Comme Rolgan était sous le moment des faits, il ne peut être tenu pour responsable. Griff a drogué le verre! Allez, on s'en fout de la victime. Ah bon? Il me semble que Griff est un homme violent qui déteste lui, car il y a donc de fortes chances pour que ce soit lui qui soit à l'origine du combat. Heureusement que les témoins ne peuvent pas affirmer le contraire. Mais tais-toi! Non, ça, on s'en fout. Voilà, il était ivre! Et surtout, c'était des reliques. Mais surtout, il était. Voilà, c'est un soras. La défense n'a rien à ajouter. Et. L'accusé est acquitté! Yes! Vous êtes libre! C'est impossible! Et là, il y aurait un petit breakdown. Oh, j'aurais été. Refait. Oh, le juré est acheté. C'est faux. Votre travail est terminé, du clan. Ah bon? Waouh! Putain, hey Dalin, t'as vu ça? Oh, c'était easy! Oh, c'était tellement aise! Monsieur, bonjour. Waouh, ouais, mais 1000 pièces d'or, écoutez, merci, salut, et ben voilà, et ben c'est pas mal, et bien vous savez quoi, je pense que ce petit début d'épisode, ce petit début de chapitre 3 sur ce procès est pas mal pour nous mettre en jambe pour la suite je pense être de trouver cette boule à neige qui est donc sur, enfin qui est un. Bois frileux. Ok. Et ben, la prochaine fois, on va se diriger au bois frileux. Du coup, petit épisode. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas, comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire, de vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, de me suivre sur Twitter et plein d'autres trucs. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine sur Neverwinter Nights.